On est parti pour cette losers finale, après une semi-finale en loser de qualité bien sûr, qui s'est déroulée juste avant sur ce chat. Vous l'avez peut-être suivi avec nous sur YouTube si j'ai fait la VOD. On partira sur un double DK du côté Freetox et Vergeture. Marie et Wolf du côté Dizé et Metal. Tiens-moi au courant quand tu vas faire un tournoi RPS. Ah bah Kirino carrément. Mais faut trouver un enjeu tu vois sur son RPS. Faudrait ajouter un peu de lore Kirino pour son FPS. Du coup oui on a fait un pierre feuille ciseau hein, pour dire qui passait en loser final. Remporté par Dizé et Metal 10 à 7. Pour, si vous n'avez pas vu la vidéo pardon. Regardez là parce que ça vaut le coup hein, ça vaut le coup. Un match vraiment à suspense. À suspense. Avec bah, des comebacks, des égalités. Tout moment ça... Un chat qui ne marchait plus. Bon ça vous ne l'avez pas vu puisqu'on a coupé la VOD. Mais un chat qui ne marchait pas au début. C'était vraiment... Que de la qualité, que de la qualité, et ça, ça régale. Pendant ce temps, Metal qui va tenter un edge guard, l'envoyer en stage pack, ça va bien attaquer du côté Vergeture, attention à pas se faire shield break du côté Metal. On revient sur Smash Bros, après une petite pause, ça fait du bien, on retrouve un peu de Smash, un peu plus classique, j'ai envie de dire. Putain, et le shield de Metal qui a eu si chaud. La belle grappe par contre de Metal pour prendre la stock à Freetox et revenir à stock even des deux côtés. Attention, léger retard quand même pour l'équipe jaune qui a déjà beaucoup de pourcents pour Dizé. Bien joué le nerf directement. On va peut-être pouvoir le tuer. Hein. Oh non. Oh Dizé, il aurait jamais dû y aller. Quel dommage qu'il ait pas laissé Metal y aller. Et peut-être le manque de communication vocale entre ces deux équipes qui a fait que malheureusement on ne ouvra pas. La bonne idée, d'un point de vue... Après, à partir du moment où Metal a vu que... Dizé était parti, il aurait peut-être dû... Mais Metal, il peut pas revenir. Mais laissez vivre cette Marie. Le B qui va enlever tout le monde, le smash intéressant, pourquoi pas. Et Dizé qui va quand même trouver la stock directement sur Vergeture. Vergeture dernière stock. Et Metal qui a toujours ses 3 stocks pendant ce temps, qui conserve bien. Et pourtant, on a eu des petits doutes hein, sur ce neutral. Et c'est quand même là, pour l'instant... La Marie qui survit et fait Dizé qui va peut-être devoir prendre un stock sûrement à Metal pour rester dans un match équilibré. Mais attention à la stock qui pourrait vite décoller. Metal qui perd sa première stock, enfin deux stocks du côté Metal maintenant. Il faut pas craquer, c'est pas non plus une grosse avance qu'ils ont. Il suffit que Dizé perde sa stock et on revient à stock even. Donc attention à Metal, on va se prendre des dégâts et là on va se prendre le faire derrière en plus. Freetox qui fait quoi? Il fait des choses, hein. Il fait des choses Freetox. Et le DR de Metal qui va être trouvé. Et Vergeture qui ne reviendra pas. Mais Dizé non plus au même moment. Mais on va quand même prendre la stock directement. Bien joué de la part de Dizé qui va pouvoir permettre de garder ce 2v1. Ce 2v1 sur cette game. Attention à ce B. On va pouvoir punir du côté Wolf. Dans le smash derrière directement. Le DK il est parti. Hein. Allez c'est fini. C'est fini je pense. Ça reviendra peut-être pas, ça va quand même revenir du côté Freetox. D'accord, on combo tranquillement, on fait des nerfs. Par contre, je sais pas si c'est worse du côté métal d'aller forcément en edgeguard vers le bas. Peut-être qu'il devrait plus continuer comme il a fait en horizontal et revenir sur le terrain après, l'empêcher de revenir. Plutôt que partir trop bas et Freetox qui va fast fall sur son fer malheureusement. Et perdre cette stock 1-0 pour Dizé et Metal. Que je prépare, j'ai un truc bi. On dirait que Discord, enfin Twitter, le mode nu a changé. Il est devenu tout noir. Avant c'était grisé, c'était bleu-gris. Maintenant c'est tout noir, j'ai l'impression. C'est pas beau. Je ne sais pas. Dites-moi qu'il y avait Team Seficong. Il n'y a pas eu Team Seficong, Rulciran. Mais tu as loupé une loser semi. Je pense que toi-même, tu n'y aurais pas pensé. Je pense que toi-même, tu n'aurais pas imaginé une loser semi de cette qualité.
Je sais pas ce que je pourrais mettre en miniature du coup, moi. Oh, Verjuncture! Oh, ce qu'il nous a fait, la phase d'Edgeguard! Freetox, c'est que de son côté, il passe sur Felaferno. À la loser semi juste avant, ouais. Elle était exceptionnelle, Ulciran. Un truc qu'on n'a jamais vu dans un pot. Un truc qui n'a jamais été fait en plus de 2 ans de tournoi ici. Et même un truc que je n'ai jamais fait en 3 ans et demi d'offline. Pour que tu imagines. C'est ma première fois que j'organisais ça. C'était vraiment ouf. Ça fait 6 ans que j'organise des tournois et jamais fait ça quoi. Pour un match. Pour que tu imagines à quel point on est vraiment sur un niveau de jeu qualitatif. Hein. Oui, ouais, il aurait plus qu'un der, mais bon, pourquoi pas, ça suffira quand même à tuer. Franchement, Freetox va mettre un peu la douille à Dizé. En bas du côté Freetox, ça pourrait revenir tranquillement. On a un bon stock d'avance du côté de la team rouge. Freetox, pour l'instant, se passe plutôt bien avec son Fel Inferno. Sur la vergeture qui sera un peu en difficulté avec le blaster de la part de Dizé, c'est bien joué. Le Nier Freetox, Freetox il gratte les pourcents et il met l'équipe jaune dans le mal. Hein. L'équipe jaune est vraiment dans le mal. Stock qui va partir du côté Marie sur ce hubby. Et c'est compliqué. On va se faire grab du côté métal. Stock partira, un stock partout. Alors que du côté de la team rouge, on va quand même perdre second stock du côté vergeture. Freetox a encore ses 3 stocks. Un peu situation inversée du match d'avant, là où c'est métal qui avait les 3 stocks. Maintenant c'est Freetox qui l'a, mais qui va faire une grosse erreur sur cette recovery. Bien lui de la part d'Izé. Malheureusement Vergeture qui n'est pas venu aider Freetox. Et qui n'a pas pu le sauver de cette garde. Et pendant ces moments là où on se dit, on aurait à avoir un mate qui est prêt à tout. Et Vergeture qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient tellement d'avance. J'ai lâché le jeu un petit peu, j'ai repensé à cette loser semi juste avant qu'on a vécu. Et pendant ce temps, on est juste en train de mourir du côté de ces joueurs. Mais quel match, mais quel retour de la part d'équipe jaune. Oh Freetox, l'échec, il y avait encore 3 stocks qui va se faire remonter. Vergeture qui n'a pas su assurer derrière. Et 2-0 pour Dizé et Metal. Oh là là. La Roku. Qui ne suffira pas. BO5, oui, BO5 Zenesic. On est en BO5 pour tout le, pour toutes les finales. Hein. Et même la loser semi qui est en BO5. Counterpick du côté métal de personnage. On va voir ce qu'il nous sort. Peut-être Freetox aussi qui aura de personnage, je sais pas, on va voir. Partir sur héros, partir sur Min-Min peut-être. On est à 0-2 hein, du côté Freetox, donc on a envie peut-être de rester en lice. Et bah, il y aura 3 dégâts. Je suis pas confiante de ce qui se passe. Pourquoi Metal prend Fel Inferno? Pourquoi tout reste sur dégâts? Qu'est-ce qui se passe sur cette finale, mesdames et messieurs? Il y a 2 fois le même dégât. Oh là là. Ça va être illisible. Ça va être illisible, mesdames et messieurs. Je vais quand même aller râler. Hein.
Ils ont vraiment pas respecté la télé, là on comprend rien. Alors moi le match est easy pour moi, actuellement on a 2 dégâts. 2 dégâts du côté Ximo rouge comme au début du coup. On a un dégât noir, même couleur que Freetox, du côté Ximo chez Freeze. Et le Fel Inferno n'est pas Freetox, mais justement il est dans l'équipe opposée. Il faut suivre, hein. il faut s'accrocher. En tout cas les dégâts noirs ça aime pas beaucoup. Oh le DR directement de Dizé. Tel son Wolf, il trouvera des phases. Et allez, on dégage. Le Dizé qui va chercher les cargos, hein, chez les adversaires. Et prendre l'avantage un stock maintenant. Ah, c'est mort. C'est fini. 2 stocks partout maintenant. Les gyrotards pour l'équipe, je suis dans 57% du côté mesdames, mais c'est très serré, hein. Rien n'est joué, on est en 2v2. Ça peut aller très très vite. Même si les coups mettent moins de dégâts quand 1v1. Et bah, malgré tout, c'est là. Et l'Inferno qui va mettre les dégâts sur Freetox. Sur le B qui pourrait être dangereux, le donne derrière. On va punir avec un B, ça tuera pas encore du côté d'Izé. Et bien joué directement de la part de Metal qui va pouvoir suivre pour punir l'atterrissage de Freetox. Qu'est-ce que. Quoi? Allô? Et la grab là, sur la grab, attention à la. Mais quoi? Je sais pas si Fel Inferno il a sauvé son mate ou s'il l'a tué ou j'ai rien compris parce que je sais pas qui tient avec qui. Je suis perdu. Je suis perdu sur ce match. Ce qui est sûr, c'est qu'on a Stock Even des deux côtés. Ça, je peux vous le confirmer par contre. Je pense qu'il y a moyen du côté Fel Inferno de mettre un coup sur l'adversaire. Allez, du coup, l'équipe rouge qui prend l'avantage ce coup-ci. Dizé qui prend la stock. Mais quoi? Mais il fait que des F-Smash! Il met les tartes de moustiques! Les patates de Fora qui vont être trouvées du côté du DK! On écrase tous ses adversaires pour l'instant. Trop de pourcents du côté vert. Je tue le F-Smash pour l'instant. Au moins, il y a du LPR 1 DK. Hein. Là, l'emote DK qui peut vous servir sur le chat. On est dans le contexte. Vergeture qui passe à stock. Attention, double 8 qui va être trouvé. Freetox, dernier stock peut-être. Le match s'est un peu trop tard. Mais directement, c'est Metal qui sera là avec le Fel Inferno qui va trouver cette stock et cette victoire 3-0 pour Dizé Metal.